Les plantes qui fleurissent abondamment à l'ombre, ce n'est pas si fréquent. Alors aujourd'hui, je vous présente l'impatience. C'est une plante très florifère qui s'épanouit particulièrement en situation semi-ombragée ou ombragée. Elle est donc parfaite pour un petit extérieur qui ne voit pas beaucoup les rayons du soleil. Le seul bémol avec l'impatience, c'est qu'elle craint le froid. On l'installe donc de préférence une fois que les risques de gelée sont écartés et on la cultive comme une plante annuelle. Les impatiences sont géniales pour une terrasse ou un balcon parce qu'elles fleurissent abondamment, mais aussi parce qu'elles n'ont pas besoin d'un trop grand contenant. Retenez qu'un pot de 15 cm de diamètre par 15 cm de hauteur leur suffira amplement et qu'il vaut mieux un petit pot qu'un trop grand pot dans lequel le terreau va rester humide, ce qui ne leur plaît pas du tout. Vous pouvez aussi regrouper plusieurs impatiences dans un pot plus grand. N'hésitez pas à jouer sur les hauteurs comme je le fais, de manière à avoir une composition tout en volume. Pour avoir un bon drainage afin que le terreau ne reste pas humide trop longtemps, on va commencer par garnir le fond du pot par une bonne couche de billes d'argile or brun. Je rempote ensuite mes impatiences avec le terreau fleur or brun. Il va les nourrir durant les premières semaines suivant le rempotage, ce qui va nous assurer une floraison bien abondante et colorée. Petite astuce lors du rempotage, allez-y doucement en tassant le terreau car les tiges sont cassantes, on peut facilement en abîmer une ou deux. Une fois le rempotage terminé, arrosez soigneusement pour favoriser la reprise des plantes. La plupart des impatiences n'apprécient pas du tout le plein soleil. On profite donc de ces plantes pour agrémenter un coin du balcon ou de la terrasse qui ne voit pas le soleil. Cela apportera une belle touche colorée et lumineuse. Sinon, on se rabat sur les impatiences de Nouvelle-Guinée qui vont supporter un soleil assez doux, ce qui est rarement le cas sur les balcons ou les terrasses. Abordons maintenant l'arrosage, c'est le point à maîtriser avec les impatiences. Elles n'apprécient pas le manque d'eau, mais elles ne supportent pas non plus l'excès d'arrosage qui va provoquer la chute des feuilles. On va donc systématiquement laisser sécher les premiers centimètres du terreau entre deux arrosages. Quelques semaines après le rempotage, vous pouvez planter des bâtonnets d'engrais fleurs or brun. Les bâtonnets ont une action progressive, parfaite pour soutenir la floraison longue durée des impatiences. Pour un petit pot, on va enfouir deux bâtonnets. Et pour un pot d'un diamètre supérieur à 15 cm, il nous faudra 4 bâtonnets à répartir. Pensez à couper régulièrement les fleurs et les feuilles qui ont fané ou qui se sont abîmées et vos impatiences seront magnifiques jusqu'au premier froid. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez poster vos questions et vos remarques en commentaire. Souriez, vous jardinez. Thank you.